figurez-vous que donc dans les années 80, au début des années 80, c'était l'explosion des radios libres. C'est ça qui était magique. C'était un truc, les jeunes ne peut-être pas se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là, la liberté vraiment de diffuser. Et sur Marseille, il y avait beaucoup de radios libres, et moi j'ai eu la chance d'en faire partie. Et puis il y avait donc le Fan à Food qui avait une émission qui s'appelait Les 200 Lunes. Et dans cette émission, il y avait un ami à lui qui venait d'Angleterre, un Jamaïcain, un Rastin, qui constamment disait « I ». I », c'est-à-dire « je ». C'est dans la philosophie Rastin, le concept d'I, très important. Le « je », d'ailleurs, c'est, à l'origine, ça vient des hindous. La communauté hindoue en Jamaïque avait parfaitement expliqué ce concept du soi profond. Et à force d'entendre « I, qui veut dire « je suis super bien » après avoir fumé deux, trois spliffs, eh bien, ça a démarré comme ça. C'est le premier à Marseille qui a transfiguré, je dirais, le mot, le concept de « I » jamaïcain en « Ayoli », mesdames et messieurs. Maintenant, okay, voilà, donc, on peut l'applaudir. Ayoli sur lui, parce que c'est vraiment un grand monsieur, mesdames et messieurs. César explique à son garçon, j'avais un aïoli qui fait monter le sang. Attention, c'est plus fort, le picon citron, c'est pour dire en deux mots, c'est meilleur et plus bon, oui, plus bon. Ça va, Marseille? Versé dans un mortier, envoyez-moi d'olivier, un grand gantier de rock, un gantier de reggae. De rock et un grand tiers d'amour et un grand tiers de joie et pilonne avec foi un sillon vérité de mémoire de griot un guichet de DJ un beau soir ce criot dans le massif la sangle et son lancé par le corbeau répandu aussitôt repris aussitôt aujourd'hui il est temps de livrer le secret dans le style prolifique d'une tcha-tcha inspirée dans le style des clampatoires des joutes de comptoir dans le style obligatoire des troubadours du soir oui du soir oui du soir dans un monté tantrique c'est la valse des doses de la sauce qui ose mélanger toutes choses fait tourner la rythmique du pilon galactique tourne l'inga magique oh là là quel truc autrefois c'était vrai on danse le mia maintenant c'est fini on danse le yéba un rap humoristique pour les zygomatiques c'est le chant planétaire d'un amour non sectaire qui unit tous les cœurs de la planète Terre fait tourner le pilon et rajoute les tiers fait monter l'aïoli qui fait tomber les frontières et tomber les frontières. La sauce euphorisante, c'est lui le vendredi. Mais ça...
savez-vous aussi ce qu'est le grand yéba, la danse de folie, la transe de sabbat. En vérité, les deux aïoli et yéba, de son cœur à naissance, c'est le même combat. Quand je te dis yéba, tu réponds aïoli. Quand je te dis aïoli, là, tu reprends yéba, d'accord? Alors yéba. Tu par un tiers de pastis, la drogue du Paris qui fait rire quand on pisse, un tiers de bouillabaisse, la bouillie de poisson que l'on mixe par tradition entre Marseille et Toulon, et mon tiers de pizza et de mozzarella. Et avant le dessert, encore deux tiers d'amour, encore deux tiers, non, encore dix tiers, même cent tiers d'amour, si vous voulez. Alors pour Rassemblée, notre ami, qui est venu spécialement de Jamaïque ce soir et que l'on applaudit très fort. À celui d'abord, le premier grand tiers d'amour, c'est celui assurément de papa et maman, le grand amour de Tcha et celui de Tchaova, le grand amour d'Allah et l'amour de Bouddha et l'amour de Krishna et l'amour du grand esprit et de Jésus-Christ. Et une pêche melba, et une pêche melba, et une pêche melba, dessert du grand Yéba, et une pêche melba, et une pêche melba. Un jour j'arrive dans son émission, c'est la première fois que je débarquais d'ailleurs, c'est pas un jour, et je lui ai fait écouter donc ma cassette, j'avais enregistré une cassette avec mon premier groupe de reggae en 81, je crois, ou 2, et j'arrive dans son émission de radio en 82, et donc c'était le premier à passer ce morceau, cette chanson que j'avais fait. C'était au début où j'ai essayé de trouver une relation entre le reggae jamaïcain et Marseille. Et grâce à mon ami Simon Bamdan, à Pointe-Rouge, de la vieille chapelle, il m'avait beaucoup inspiré sur ce titre. Et donc notre ami Fana Food a passé ce morceau à la radio. Oui, c'est formidable. De Mourepiane, non loin du stade de Kulman, là où les hangars se dessinent à l'encre noire des usines. C'est au centre d'apprentissage, à Mbentila où j'allais, que le tango de l'Argentine, la valse de Vienne, ajaï, ajaï, oh yeah. Sur un rythme de rock, 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 rockers, dans un tourbillon de gamelles, d'inscriptions roses un peu osées, on arrivait à la sauvagère. C'était là-bas que j'habitais. Je pourrais tellement en dire que je préfère m'arrêter, m'arrêter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sur un rythme de rock reggae, rythme de rock reggae, rythme de rock, 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 de rock reggae. Sur un rythme de rock reggae, sur un rythme de rock reggae.
de l'Arménie du passé. C'est dans la banlieue marseillaise que mon cœur s'est mis à pulser, propulsé, voyé sur un rythme de rock reggae. Oh là, rythme de rock reggae. Spécialement dédicacé pour un produit connu dans le monde entier. Savon de Marseille, zip, glisse et puis s'envole à tire d'air. Zip, glisse, c'est étui d'abeille. Zip, glisse, le chat, la voix et puis la belle. Zip, glisse, près de la grande mer se terre. Sont entassés des spécimens du monde entier. Savon de Marseille, zip, glisse et puis s'envole à tire d'air. Zip, c'était une abeille, zip, glisse, chalabre. Il y a le fan club de Joe Corbeau ce soir. Incroyable, ils connaissent tout le truc. Tu te rappelles du pont? C'est sympathique, carrément sympathique, ce savon-là. J'en suis fada. Et partout à la ronde aussi, c'est bulle, les bulles. Les bulles. C'était joli, oh le mec. Oh, il y avait un plan, attendez. Incroyable, on avait tout répété. Normalement, je vais vous refaire le coup. Alors je disais juste ce truc, les bulles sont rondes. Oui, les bulles. Les bulles sont là. Les bulles sont plus là. Oh, quelle tristesse. Remarquez. Moi, remarquez, je vais vous dire une chose. Quand je chante Savon de Marseille, je me souviens toujours qu'au départ, à l'origine, elle est là, les bulles. Ah, ça va. Alors, on peut y aller. Il est antiseptique, carrément sympathique, ce savon-là. J'en suis fada. Et partout à la ronde, si ces bulles sont rondes, les Marseillais l'ont inventé. Oh, oh, oh. Avec quand même l'inspiration de nos amis arabes syriens de la ville de Alep, que la communauté arménienne, avec ma propre mère, remercie d'avoir accueilli après le génocide. Yeah, Sylvia. Le chat, la voix. Le chat, la voix. Le chat, la voix. Miracle. Un fer à cheval. Au bonheur. Mère. La sainte famille. Mystique, élastique. Les femmes, ou bien au jeu, se prennent pour des dieux. Et moi, depuis mon enfance, un air me hante. Un seul refrain, c'est l'hymne olympien. Et depuis, j'aime l'OM, j'aime l'OM. Envahit la foule des bouches du Rhône. Car des sorciers sont venus jouer. Des couves qu'on remplit à bord comme des amphores. Qu'on brandit au ciel vers les immortels dieux de l'Olympe. J'aime l'OM. De l'audace, nous serons des as. Le vent qui souffle du nord relève les têtes des fils du sud.
soleil. Nouvelle planète et tout le monde chante. J'aime Noël, Noël. J'aime Noël. Le cœur est passé. Bouliga. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, le cœur des Marseillais. Allez, allez, alléluia, allez. Alléluia, alléluia, allez. Allez, allez, alléluia, allez. Alléluia, le cœur des Marseillais. Oi, 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 oi. Merci, ami. Bonsoir. Merci, fan à foot. Bon voyage. Respect à toute sa famille.